tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je suis vraiment super contente de vous retrouver. Aujourd'hui on va parler d'Équite à Lyon. À travers cette petite intro, je serai présente à Équite à Lyon avec d'autres youtubeuses équestres que vous connaissez déjà sûrement. Si vous ne les connaissez pas, les liens seront en barre d'infos, allez voir leur chaîne et tout parce qu'elles sont toutes géniales. Je suis trop contente de participer à ce meet-up et surtout de pouvoir les rencontrer parce que j'en ai rencontré aucune. Et puis de pouvoir vous rencontrer aussi, vraiment ça va être énorme, je réalise pas trop encore, j'ai du mal à me le dire. Enfin bref, voilà, on sera présente à Équite à Lyon pour un meet-up le samedi 29 octobre du coup au matin. Seulement il n'y a que 70 places de libre en fait, donc il y a un mail sur lequel envoyer des informations et pour vraiment être fair play on va dire, on va vous tirer au sort, donc voilà, vous avez tout ce qu'il faut en barre d'infos, donc seront présentes à ce big meet-up parce que sinon je sens que je vais m'égarer si je commence à parler d'autre chose. Alors, Équite Pratique, Anne Victoire, Crottin & Co, Un Poney Jaune, Un Cœur de Cavalière, Équite Dream, l'INSA Liberté de Galoper et puis moi du coup. Hein. Donc voilà, en gros, par rapport aux 70 places de libre, on peut pas faire plus parce qu'en fait on le fait avec le salon du cheval et ils veulent éviter les débordements, les effets de foule, etc. Ce qui est totalement compréhensible. Donc il n'y a que 70 places, mais pour toutes celles qui ne seront, toutes celles et ceux d'ailleurs, parce que je sais qu'il y a des jeunes hommes qui nous suivent aussi. Donc voilà, pour tous ceux qui ne seront pas sélectionnés, qui ne pourront pas assister à ce meet-up, sachez qu'on sera toutes présentes dans le salon toute la journée, donc normalement on devrait réussir à se croiser. N'hésitez pas à venir nous dire bonjour, enfin personnellement je sais que moi ça me dérangera pas du tout parce que je viens principalement pour vous, donc voilà. Je pense que les filles non plus ça va pas les déranger, au contraire on serait vraiment très plaisir de rencontrer un max de personnes. Donc dans ce formulaire qu'il va y avoir à remplir pour envoyer le mail en fait, pour pouvoir s'inscrire au meet-up, j'espère que je suis claire. Au pire, comme elle a dit Anne Victoire, enfin, comme elles ont dit sur la chaîne Anne Victoire, allez voir les vidéos de tout le monde, il y aura tout en barre d'infos pour être sûr de bien tout comprendre. Donc en gros, il y a un formulaire à envoyer au mail meetupequitalion@gmail.com, donc qui va concerner vous et une possible seconde personne si vous voulez faire venir quelqu'un avec vous, parce qu'on sait que vous êtes plusieurs à venir à plusieurs, donc voilà. Donc en gros dans ce formulaire, donc il y a donc première, deuxième personne, le nom, le prénom et si vous souhaitez vous inscrire à la visite du pôle santé, puisque Équite à Lyon vous propose à vous de visiter gratuitement, puisque bien entendu tout est gratuit, le meet-up, la visite, donc gratuitement le pôle santé. Vu que j'ai jamais fait aucun salon, aucun festival, je sais pas à quoi ça correspond, mais je pense que je le visiterai avec vous du coup. Donc voilà, si vous voulez vous y inscrire. De même pour la deuxième personne, c'est exactement la même question. Et le dernier petit point, si vous êtes sûr, vous et l'autre personne, d'être présent au salon donc le 29 octobre 2016, si vraiment vous ne venez pas, ne vous inscrivez pas parce que ça va bloquer la place d'une autre personne, ce serait pas très sympa quoi. Voilà, vraiment soyez sûr de venir, quitte à avoir déjà réservé les billets, etc. quoi. Comme il est écrit donc dans la barre d'infos, il n'y a qu'une seule personne qui peut être inscrite, chaque personne ne peut s'inscrire qu'une seule fois, donc n'envoyez pas deux fois une inscription avec deux mails différents parce que de toute façon on le saura grâce à l'adresse IP, etc. Il y aura donc à la suite de ça un tirage au sort qui aura lieu et si vous êtes sélectionné, vous recevrez un mail pour valider en fait votre inscription et vous dire que vous avez été sélectionné. Et donc ces pré-inscriptions se termineront le 24 au soir, ce qui va nous permettre nous de nous organiser pour Meetup, pour écrire le nom des personnes, etc. Qu'il y aura. Et voilà, et le mail de confirmation, vous le recevrez donc le 25.
sachant que on se verra le 29, je suis super excitée, ça me tarde trop. Donc pour résumer, puisque je sens que je risque d'avoir oublié des trucs ou alors ça aura pas été clair, on a Victoria qui nous a fait une petite un petit aparté pour dire voilà exactement ce qu'il y avait à dire. Donc la date, donc ça se passera le 29 octobre, on vous accueillera donc au pôle santé à 9h15. Le meet-up commencera pardon, très exactement à 9h30 pour finir à 10h30 et dans la foulée pour ceux donc, qui veulent, il y aura une visite du pôle santé en bonus. Il n'y a que 70 places limitées pour ce meet-up. Pour vous inscrire et tenter de faire partie de ces 70 participants, eh bien, tout se passe par mail. Vous regarderez dans la barre d'infos, il y aura le mail, etc. Vous ne pouvez vous inscrire seulement et seulement si vous êtes sûr et certain de venir. Le meet-up est orchestré par le salon. Donc voilà, ça c'est pour les parents méfiants, comme a dit Victoria. Le meet-up est orchestré par le salon, c'est pas nous qui avons fait notre truc dans notre coin. Vraiment, le salon est en plein dedans. On reste nous la journée au salon, donc tous ceux qu'on n'a pas pu voir pendant le meet-up, eh ben, on les verra à l'extérieur et vous pourrez venir, etc. Vraiment, ça nous ferait super plaisir. Et donc les 70 personnes qui seront sélectionnées recevront un mail de confirmation, donc le 25. Ah oui, ça c'est important, je l'ai pas dit avant, heureusement que je relis ça. Bien entendu, nous ne finançons pas et le salon ne finance pas les billets d'entrée au salon, donc c'est à vous d'avoir déjà vos places au salon. Et bien sûr, le meet-up est gratuit. Il y aura des réponses aux questions, des photos, des débats, des questions à thème, enfin plein de trucs comme ça. Ça dépendra vraiment de ce que vous voulez, de ce que vous poserez comme questions, etc. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Comme je disais, au pire des cas, mais allez voir en barre d'infos, je vous mettrai les vidéos de toutes les autres filles qui participent au Big Meetup pour que vous puissiez aller voir ce qu'elles ont dit, parce que autant elles ont dit des trucs que j'ai pas dit. Logique des choses. Donc voilà, j'espère sincèrement que ce grand meet-up va vous plaire, parce que moi j'ai vraiment trop hâte, je suis un peu en mode wouhou quoi. Voilà, je sais pas, ça me stresse mais en même temps je suis contente parce que voilà quoi. Je fais tout en fait avec vous là, mes premières fois, genre première rencontre avec les abonnés, genre, premier meet-up quoi en gros, première fois dans un salon et tout, enfin c'est... C'est un grand moment d'émotion. Donc sans plus tarder, je vais vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et à tous ceux qui vont à Equitalion et qui y seront le samedi 29 octobre, je vous dis à Equitalion. Ciao ciao!